cette nouvelle journée, le fait que tu sois en train de célébrer la fin de cette année 2016 et en même temps le début de l'année 2017, je crois que ça doit être une victoire pour toi. Amen. Ce soir, je veux que tu élèves la voix et que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu sois reconnaissant à ton Dieu et que tu lui dises, Seigneur, je te dis merci. Merci de célébrer la fin de cette année 2016. Pour cela, je veux te rendre toute la gloire. Nombreux n'ont pas bénéficié de ces journées. Mais moi, tu m'as fait la grâce d'être vivant. Pour cela, je veux infiniment te dire merci. Je veux te prier, ça doit être une réjouissance pour toi. Ne m'oublie pas, ouvre la bouche, parle à ton Dieu. Et dis-lui, Seigneur, merci. Merci, merci de m'avoir accordé de traverser cette année. C'est toi, tu m'as permis d'être vivant. Je veux être reconnaissant, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Prie ce soir et bénis le nom du Seigneur. Ne te tais pas, ne m'imite pas, mais ouvre la bouche, parle à ton Dieu. Et lui, sois reconnaissant en 2016. Prie et rends toute la gloire à ton Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Reconnais la bonté et la fidélité de ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je t'en suis infiniment reconnaissant. Je te balance cette nuit. C'est une victoire pour toi que tu sois vivant. C'est une victoire pour toi que tu aies eu cette nouvelle journée. Yes. 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 Des difficultés parce que ça va de pair et nous apporter aussi du bonheur parce que c'est une année où j'ai rencontré des personnes sincères, c'est une année où j'ai rencontré des personnes qui m'aimaient le plus, c'est une année, c'est vrai, où ils m'ont plus vite pendé sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit toutes sortes de choses et puis en même temps Dieu m'a positionné. Voilà, donc c'est une année parce que la Bible déclare que la fin des choses, d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est une année où à la fin de l'année il a commencé à dire ouf. Enfin, le monde entier reconnaît le ministère du prophète Crasso. Enfin, ouais, c'est une approche toujours, ceux qui sont sceptiques, mais nous sommes en train d'atteindre notre objectif, c'est de permettre aux Occidentaux de commencer ce combat. Et ça a payé, et parce qu'ils ont fait un bilan, il y a eu un point où ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de la révolution industrielle, le siècle de l'ordre de lumière et de la révolution industrielle. Et nous sommes en train de mener un combat qui ne date pas. Ce n'est pas une question du prophète Crasso. C'est une question de ça. C'est une réalité. Il faut commencer un combat. C'est vrai que d'autres personnes ont peur de ça. Je voyais un homme malade qui me faisait un coucou sur le Facebook qui disait voici un homme de Dieu qu'on doit soutenir. Bref, je remercie tous ceux qui, n'est-ce pas, qui m'ont soutenu dans ces moments difficiles. Nous sommes en train d'aborder. C'est un tournoi qui est vraiment très important. C'est la transition. Vous savez que toute transition est importante. Qu'est-ce que le dossier de 2016 transmet à 2017. Et ça, c'est important. Toutefois, il y a ce qu'on appelle une passation de service. Il y a toujours passation de service. Qu'est-ce que 2016 retient? Le dossier qu'il retient à main pour céder ce dossier à 2017. C'est comme ça. La vie est une question de programmation et de programmation. Qu'est-ce que tu programmes maintenant? Nous avons quelques minutes seulement. Mais je tenais vraiment à dire merci. Vraiment merci à toutes ces personnes présentes ce soir. Que Dieu vous bénisse. Franchement, que Dieu vous bénisse, nous sommes, je suis de tout cœur avec vous. C'est une année d'ailleurs que je ne fête pas hors du pays, que je fête toujours dans ma nation. Parce que j'ai
et vraiment un grand amour pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Parce que pour moi, l'Afrique doit se réveiller. Et l'Afrique est en train de se réveiller à partir de cette histoire de prise de conscience. Il faut croire en Dieu. Nos croyances, c'est vrai, mais ça n'a rien apporté à l'Afrique. Malgré nos croyances, n'est-ce pas, il y a eu des personnes qui se sont imposées, qui ont soulevé, ils ont quand même pillé l'Afrique. Mais je pense que nous devons retourner à Dieu. Et si nous retournons à Dieu, comme devait le Salmi David, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il faut que l'Afrique commence à faire des exploits. À commencer parce que le sous-sol africain est très riche. Nous avons un sous-sol africain très riche. Et nous avons un sous-sol. L'Afrique est un scandale géologique. Écoutez-moi. L'Afrique est convoitée par tous les continents. Et tout le monde est unanime là-dessus que l'Afrique est le continent d'avenir. Ça veut dire demain. Oh, vous savez que les Blancs sont les futuristes. Eux, ils projettent dans 20 ans, dans 40 ans. Ils sont convaincus que c'est Afrique-là qui va alimenter le monde entier. Est-ce qu'on peut acclamer l'Afrique? Nous avons commencé à éclairer le monde entier. Nous avons commencé à démystifier le mal du monde. Pas le mal d'Afrique. Le mal criant du monde, c'est la sorcellerie. Le mal criant du monde, c'est la sorcellerie. Ses anges. J'ai un ange dessus. Satan, qui est le maître de ses anges dessus et qui commet les œuvres. Qu'on appelle les œuvres du diable. Juste à côté des œuvres de Dieu, il y en a des œuvres du diable. Et les œuvres du diable est caractérisée par la sorcellerie. Et nous savons qu'où il y a la plus de présence de la sorcellerie, c'est anti-développement. C'est ce que nous vivons. Que vous voulez pas, c'est ce que nous vivons. Nous avons de l'or. Ici, on n'a pas besoin de trop parler pour avoir de l'or. Pour ceux qui ne savent pas, je vous informe. Ici à Iré, je vous dis que dans les eaux de Richelieu, nous avons de l'or. Dans les eaux de richellement, vous le savez, c'est pas moi qui a besoin de dire ça. Chacun, celui qui s'intéresse à ça, il aura ça. Si tu appelles quelqu'un aujourd'hui matin, tu dis, ah, Iré, je veux de l'or, tu auras de l'or. Parce qu'Iré vient de ça. Vous le savez très bien. C'est pas moi qui a besoin de vous dire ça. C'est pas un mystère, c'est pas quelque chose de caché. Vous partez à Iré matin, vous voulez de l'or, vous allez avoir de l'or. Mais le l'or, tout le monde cherche. Nous avons ça ici. Il y a deux sociétés minières ici. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous avons tout ce que nous voulons ici. Vous rentrez en Guinée, c'est un scandale géologique. Parce qu'en Guinée, nous avons la bauxite. Bauxite qui fait, n'est-ce pas, l'aluminium. Et en Guinée, encore, c'est encore grave parce qu'il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'Africain recherche en prenant des navires pour aller se tuer dans la Méditerranée? C'est vrai, les gens cherchent une sécurité sociale. C'est une sécurité sociale. Parce qu'ici, les gens s'en foutent. Quel que soit ton rang, ils s'en foutent. C'est une sécurité sociale. Parce que même l'Europe entend de rentrer dans une crise économique. Nous avons tout ici en Afrique. Personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Africain meurt de faim. Mais je pense que nous avons tout. Tu veux manger du garba. Moi, j'ai des problèmes quand je suis allé. Moi, je suis pas un Africain. Quand je voyage, je mange que la nourriture africaine. Moi, je mange africain. Je suis pas dans vos histoires de... Non, pizza. Ça, d'ailleurs, même quand j'ai mangé trop de hamburger, il a grossi. Je suis en train de perdre un peu de foie. De poids, si vous voulez. J'ai mangé hamburger. J'ai voulu faire comme les Blancs. J'ai pris du poids. Et ça me crée des problèmes. C'est pour dire... Si vous voulez ou pas, l'Afrique, vous voyez que ton continent est l'Afrique d'avenir. C'est un continent d'avenir. C'est un continent d'avenir que vous voulez ou pas. Et nous prions pour que Dieu ouvre les yeux aux Africains. Le combat n'est pas une question de crasso. Quand je parle, même un blanc qui comprend déjà, parce qu'il faut avoir la connaissance pour parler avec eux, pour leur expliquer le combat, il est au-dessus de ce que leur croyance, au-dessus des croyances des gens. C'est une question de crime spirituel qui n'a rien à voir une croyance. C'est une réalité. Il faut en parler, les gens meurent et les bras valides en meurent. Et il y en a beaucoup de bras valides qui sont en train de mourir en Afrique. Nous combattons la sorcellerie. C'est vrai que nous avons plus d'ennemis parce que le diable a beaucoup d'enfants. Il y a peu d'enfants de Dieu. Vous avez aussi 20 enfants, 10 enfants, vous allez voir 4 enfants de Dieu et 6 enfants de Satan. C'est ce qui est vrai. Il y en a 4 enfants de Dieu parce que ceux qui font la volonté de Dieu ne sont pas nombreux. Ceux qui font la volonté de Satan sont plus nombreux. Il n'y a pas assez. Nous autres, nous avons décidé de faire un combat. Qui n'est pas facile à le faire, mais le combat il est tellement noble, c'est d'imposer le règne de Dieu. Il faut que le règne de Dieu s'impose. Le règne de Dieu, Dieu là, ça s'impose partout. Que tu aimes le prophète Crasso ou pas, la sorcellerie existe. Ah, faut pas, je n'ai pas besoin que tu m'aimes, mais moi je combats. Qu'est-ce que le prophète Crasso dit? Qu'est-ce qu'il dit dans tout juste dans ses messages? Vous parlez, c'est blablabla dans les églises. Est-ce que la sorcellerie n'existe pas? Elle existe. Nous avons déjà délivré aujourd'hui. Oui, je vous parle à cette heure précise, à cette minute précise. Nous sommes aujourd'hui à 8446 sorciers délivrés. On acclame le Seigneur pour ça. Nous sommes à 8400 sorciers délivrés. 8400 sorciers délivrés. Parce que nous, là, nous ne sommes pas des gens des rêveurs. Au fur et à mesure que nous délivrons les gens, nous les maçonnons, nous avons des registres. Nous faisons un suivi d'un combat. Et demain, nous avons
pour rendre, n'est-ce pas, compte, n'est-ce pas, aux gens demain. Voilà, donc nous avons tout ça ici pour dire bonne heureuse année. C'est bientôt, dans quelques minutes, nous allons aborder la nouvelle année. Mais il faudrait que cette transition retienne quelque chose de nous. Il faudrait que cette transition reste. Frère, je vous dis une chose, quelqu'un n'est pas obligé de terminer. Mais tu es né, tu as une destinée. Que tu veux ou pas, tu l'accompliras avec l'aide de Dieu. C'est parce que les gens n'ont pas Dieu dans leur vie. Et puis, c'est dangereux de ne pas avoir Dieu dans sa vie. Mais que tu veux ou pas, peu importe. Quand tu as Dieu, peu importe. C'est ça. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit du prophète? Qu'est-ce que les gens... Ils ont mis une stratégie pour éteindre mon image. Mais aujourd'hui, me voici, je suis en train de prendre le micro. Aujourd'hui, me voici, je suis en train de partir et j'avance. Et j'avancerai parce que mon appel est le divin. Je dis toujours aux gens, je suis fils de musulman. J'étais pas Jésus Tabarro. J'étais fils de musulman. Et j'ai été converti sous un miracle de Jésus-Christ. C'est ce qui m'a mené à me convertir au christianisme. Voilà. Donc moi, je n'étais pas venu dans votre histoire de christianité. C'est parce que j'ai vu Jésus-Christ à l'œil dans ma vie. J'ai un métier à moi. Je suis un intellectuel, je poursuis mes études, j'en continue à poursuivre. Ça, c'est pas un métier. Je ne suis pas venu parce que j'avais pas quelque chose à faire. C'est ça que Dieu me bénit. Pendant que tu dis, ah non, je l'ai fermé une porte, Dieu me ouvre 1000 portes. Voilà, donc c'est pour dire, nous sommes en train d'aborder 2017. 2017, c'est pour toi et c'est pour moi. Dis à quelqu'un, c'est pour toi et c'est pour moi. Dis à quelqu'un, c'est pour toi et pour moi. Je salue tout le monde. Et je salue mon ami personnel juste à côté, ce monsieur. Il est tellement bien, il est... Ce monsieur, je veux qu'on... C'est musulman, mais il a tenu à être là. Il a tenu à être là. Et ce monsieur, il m'a regardé droit dans les yeux à sa librairie, dit, mais professeur, dit bon. Et ça, c'était un rêve pour moi. Je dormais, je suis orphelin de père et de mère. Il fallait que je réalise mon orphelinat. On aura l'occasion de inaugurer ça. Après juste les fêtes, on attendait que la mouvement de fêtes passe pour inaugurer l'orphelinat. Parce que la chrétienté, ce n'est pas dans la bouche et dans les actes. Moi, je ne suis pas aujourd'hui, je ne dis pas le genre, quelqu'un qui bavarde beaucoup, je ne suis pas dedans. Parce que dans les actes, on dit, vous reconnaîtrez, voici les disciples. Et vous, vous aimerez, par amour, c'est l'amour. Hein? C'est l'amour qui permet de reconnaître les disciples. Ce n'est pas dans la bouche. La chrétienté, c'est dans les actes. C'est ça que les gens disent, voici les disciples, voici ceux qui ressemblent à Jésus. Amen. Amen. Notre Christ a manifesté l'amour. Mais ça n'exclut pas d'aimer quelqu'un autour de moi. C'est pour cela que cette année, on commence à l'excellence du prix prophète Joël Crasso. Dans l'excellence du prix prophète Crasso, il y a même un musulman qui reçoit mon prix. Vous aurez l'occasion de connaître tout ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? J'aimerais qu'on m'oriente. Hein? Il fait quelle heure maintenant? Ok, on lève les mains. Et nous allons commencer à parler. Tu vas commencer à parler. Nous allons nous adresser à l'année 2017. Commence à parler à 2017. Écoutez, je t'accueille. Mais que toi, 2017, tu m'apportes le bonheur et tu m'apportes la réussite. Parce que nous sommes à une heure. Et cette heure, c'est une heure universelle. Nous commençons à prier. 2017, tu es en train de venir à quelques pas, à quelques secondes. Je te sens venir. 2017, tu es en train de venir à quelques secondes. Mais en même temps, je m'adresse à toi. 2017, tu es en train de venir. Et toi, 2017, tu m'apportes le bonheur. Cette année, 2017, je ferai le tour du encore du monde. Je serai encore dessous de mes ennemis. Mes ennemis mordront la poussière. Je serai en bonne santé cette année. Tous les plans d'accident, tous les plans de mort contre moi soient déjoués durant l'année 2017. Durant la mort, l'année 2017, que les plans de mort soient déjoués sur ma vie, que ça soit déjoué sur ma vie et que mes projets puissent atteindre son but. Au nom de Jésus, chacun d'entre nous a un projet. Qu'on aborde une année, une nouvelle année, chacun d'entre nous planifie des choses. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider. Oui, que l'ennemi ne vienne pas mettre fin à nos vies. Oui, 2017, écoute, je t'adresse une parole. 2017, je t'accorde une parole. Maintenant même. Maintenant, bonne année. Est-ce qu'on peut donner la colère à quelqu'un juste à côté? Dis bonne année à quelqu'un juste à côté. Dis bonne année. Dis bonne année. Dis bonne année. Dis bonne année. Yeah.
nous respecte. Il faut que le mois de janvier jusqu'au mois de décembre nous respecte. J'aurai l'occasion de vous avoir enseigné ce mystère. Et nous allons procéder maintenant l'année. Nous allons nous asseoir sur l'année. Parce que c'est qu'un homme déclare ce qu'il arrive. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année. Dieu a quelqu'un. Bonne heureuse année. Dieu a quelqu'un. Bonne heureuse année. Dieu a quelqu'un. Oh là là. Aujourd'hui, c'est terrible. Hein? On appelle ça tuage chez nous. Mais Pérou, oh! Y'a des deux. Mais Pérou, oh! Dépêche-toi, monsieur. Je suis un
Quelqu'un juste à côté de toi. Continue de dire bonne heureuse année. Très bien. Merci. Vous avez dit merci à Jésus. Merci à Jésus. Yeah!
Le groupe s'est levé. Je ne vous ai pas encore vu en train de faire un grand travail de bonne année chez mes musiciens. C'est bien. À mon solo! À mon solo! À mon solo! À mon solo! C'est mon appel. C'est mon appel. À mon salle, en bêté, ça veut dire que c'est toi qui m'as choisi pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ils feront tout
mais tu finiras par confondre leurs ennemis, mes ennemis plutôt. Ils feront tout, tu fermeras la bouche. À mon seul, à mon seul, à mon seul. No, no, no.
acclamation, Seigneur, qui nous a donné de voir 2016. Thank you.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si tu aimes le Seigneur, lève-toi et t'acclame en cette fois. La victoire de Jésus, sous la mort, sous la diversité, sous la majorité. C'est tout le gospel. J'ai cet album sur le marché doyen. Si on a mieux,
Brasile. Jésus,
potre n'adrie pas brené ah ah n'adrie pas brené je ne bien la potre n'adrie pas brené je n'adrie pas brené je ne bien la potre n'adrie pas brené ah ah n'adrie pas brené je me suis notre n'adrie pas brené je suis notre n'adrie je n'adrie chante les cantiques. La Bible n'a pas dit si tu es dans la joie, faut pleurer. La Bible dit si tu es dans la joie, chante les cantiques. Nous sommes dans la joie parce que nous venons de voir 2017. Amen. Alléluia. Il est 1h du matin. C'est la première heure. C'est vrai que minuit, c'est la transition. Ça, c'est. Mais une heure, la première heure, elle est symbolique. Tenez-vous debout. Nous allons parler aux 12 mois de l'année. Nous allons parler aux 12 mois. Quelqu'un peut me prendre la Bible, s'il vous plaît, à partir du verset 1. Écoutez-moi très bien. Nous allons posséder l'année. L'année commence par là. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Très bien. Le commencement, c'était quoi? Qu'est-ce qui était au commencement? C'est-à-dire au début de toute chose, c'était là. Donc, au début de cette année, va commencer par la parole. La parole, et quand Dieu voulait créer le monde, c'est la parole qu'il a utilisée. Donc la parole commence
en toutes choses. Allons-y. Et la parole était avec Dieu. Très bien. Et la parole était Dieu. Très bien. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Très bien. Toutes choses ont été faites par elle. Il y a les endroits où on prie, il y a les choses où on ne prie pas, on ne fait que parler. On dit toutes choses ont été faites par la parole. Allons-y. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. C'est ce que tu dis que tu récoltes. Marc 10, le verset 14. Vous allez comprendre que la parole est une semence. Nous allons semer la parole. Vous voulez voir une nouvelle année? Je suis vraiment touché de voir des personnes aller dans les bois de nuit. Bonne heureuse année, en train de se pavaner. C'est comme ça que vous remerciez Dieu. C'est dans les lieux de culte qu'on doit dire merci. Vous avez tout le temps de faire ce que vous voulez. Mais là, cette transition est importante. Vous allez vous étonner quand vous avez l'accident. Après, vous appelez les gens sur les réseaux sociaux. Pourquoi on vous donne l'argent pour vous soigner? Mais je suis étonné. Oh, la Bible dit que David dit, c'est avec Dieu. Toi, tu commences l'année en train de boire. J'ai bien te saoulé. Au commencement. Le commencement de toutes choses importantes. Et là, comment tu commences l'année? Nous commençons dans la présence de Dieu. Toi, tu peux boire que les gens d'ici. On a fini Jack Daniel, on a fini ça avant. Les Jack, les whisky, les champagnes ici. Mais on a laissé. Parce qu'on s'est dit, c'est Dieu qui doit désormais diriger notre destinée. C'est lui qui est la clé de la destinée. Nous avons fait sans Dieu. Avec les champagnes, les Jack Daniel, ça ne nous a rien apporté. Maintenant, c'est avec lui. Mais avec lui, c'est sûr d'arriver. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous voulez aborder une nouvelle année sans le propriétaire de l'année? Comment vous comprenez la chose vous-même? Vous avez réservé les jacques, les champagnes partout et vous excluez Dieu de celui qui vous donne le sou de la vie. Exclure Dieu, c'est dangereux. C'est très dangereux d'exclure Dieu d'une vie. C'est lui qui est le dernier mot. Que le commencement et la fin d'une chose. Nous savons que nous bouclons avec lui, nous commençons avec lui. 30e, au premier. C'est fini et commencer avec lui. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Que tu veux ou pas, c'est comme ça. Tu crois en lui, tu ne crois pas en lui. Frère, Dieu existe. Je m'en fous de ta croyance. Dieu, il existe. Je m'en fous de ce que tu crois. Je suis avec toi, d'accord. Amen. D'accord. Amen. C'est cette partie du surnaturel qui m'accroche davantage avec le Seigneur. Amen. Quand Dieu me parlait de venir à Divo, qui croyait à ça, on était à Zaro, qu'on a commencé une œuvre. Voici aujourd'hui, Divo a commencé à être butiné. Mais quand je suis arrivé à Divo, j'ai commencé à parler. Des nuits, je me levais pendant la nuit, je parlais. Parce que le commencement, c'est la parole. Pendant que nous partions à Zaroko, il y avait un problème au niveau de Didoku. Il y avait un endroit où c'était comme un lac. Ils ont tout fait, n'ont pas pu maîtriser cet esprit-là. Nous, en quelques temps, nous avons maîtrisé l'esprit. Nous avons prié pour que Dieu permette que le coin soit butiné. Mais aujourd'hui, c'est butiné. Christ est le commencement et la fin de toutes choses. On dit rien n'a été fait sans elle. Rien ne peut se faire sans la parole. Amen. C'est pour cela que commencement, 1h du matin, c'est une heure stratégique. Quand vous voulez régler les grandes affaires spirituelles, c'est 1h du matin. C'est à cette heure-là l'homme dort profondément. Et c'est à cette heure-là que les brandis, les grands bâtis braquent. C'est à partir de 1h du matin, beaucoup de choses se passent dans le monde spirituel. Nous allons parler. Vous savez, pendant que nous prions, le diable a déjà planifié des choses. Hein. Il sait ce qu'il a programmé contre toi en 2017. Janvier, février, jusqu'en décembre, il le sait très bien. Maintenant, toi, tu as le pouvoir. Ce qui n'existe pas chez les sataniques et les démoniaques, ils n'ont pas le pouvoir de la déprogrammation. Nous avons les deux pouvoirs, lier et déprogrammer. Amen. Donc, nous allons prier. Tu vas t'adresser la nouvelle année, bien sûr, mais à janvier. Le mois de janvier, tu es en train de venir. Où tu es maintenant? Que le mois de janvier, s'il y avait une programmation de mort, d'accident, de maladie contre toi, que tout cela soit déprogrammé au nom de Jésus. Et tu dis, je possède l'année de janvier. Je possède l'année de janvier. Au fait, je possède le mois de janvier 2017. Que janvier 2017 m'apporte le bonheur. Pas des pleurs. Je ne dois pas pleurer en janvier. Il faut que janvier m'apporte le bonheur. Et que je rencontre des hommes merveilleux qui vont m'apporter le sourire. Oui, c'est possible. David, la Bible déclare, quand Rebecca est rentrée dans la maison de Isaac, il a retrouvé le sourire. Son nom devait dire sourire. Quand il a perdu sa maman, Isaac, Sarah, il a commencé à pleurer. Il avait perdu sa maman.
quand Rebecca est rentrée dans sa maison, il a commencé à pleurer. Pourquoi vous rencontrez toujours les gens qui vous font pleurer? Il y a des gens, vous rencontrez toujours les gens qui vous doublent, qui vous anarquent. Vous... Non, vous devez rencontrer aujourd'hui les gens qui vous font pleurer. Amen. Et plutôt, vous donnez le sourire. Isaac. Amen. Il faut que... Moi, c'est ma prière. Je ne vais plus rencontrer les gens qui vont venir jouer à moi. Je vais voir les gens qui vont m'en faire avancer. Je ne suis pas prêt. Et s'il y a une mauvaise connexion dans vos vies, que Dieu dégage cette mauvaise connexion. On appelle ça les censures. Eux, ils viennent pour sucer le sang. On avait peur avant qu'on va. Nous, on a tous fait, on a tous nagé dans les rivières. Quand les temps vont, les papas, on sautait, on partait nager. On avait peur des censures. Quand censure te prend, lui, il suce le sang. Il y a des gens qui sont des censures, c'est des parasites. Ils ne sont jamais utiles dans ta vie. Et que Dieu les dégage de ta vie, amen. Moi, il n'y a pas de sentiment. Quand il essaye de m'apporter rien, tu dégages. Dégage, dégage, allez, dégage de ma vie. L'homme est fait de sorte que chaque 3 mois, tu dois te déparasiter. C'est ce qui est vrai. Si tu te déparasites pas, tu es en train de lever les encadrements dans ton ventre, tu vas mourir demain. Les béri-béri. Parce que pendant que tu manges, lui qui est dans le ventre, là, il mange 50 grammes fait de vitamines. Sauf ça, vous, nos enfants, vous, là, vous les voyez, ils ont un gros ventre, avec une grosse mamite, ils mangent, ils demandent encore manger. Et tu es étonné que ce petit, il a mangé 3 mamites sans te rassasier. La cause des parasites. Parce qu'il les prend dans l'eau. Nous prenons des parasites spirituels dans les contacts. Il y a ce qu'on appelle les mauvaises connexions. Ils sont dans nos vies, ils parlent, mais finalement, ils ont des masques. C'est des Judas. Ils finissent par nous tromper. Amen. Moi, je ne suis pas dans le sentiment. La vie, là, c'est une question de... Faut atteindre ton objectif. Chacun d'entre nous est venu pour atteindre un but bien précis sur la terre. Si tu n'es pas prudent, ce sale monsieur, là, va te faire tomber. Cette sale femme-là va te faire tomber. Sur ça, il faut en marier une bonne femme qui va t'aider à avoir l'argent. Amen. Ce n'est pas cette femme qui t'a toujours donné l'argent. Elle doit t'envoyer sur le chemin de l'argent. Vous ne dites pas amen au prophète. Alors nous, on pense que c'est l'homme qui va donner l'argent à la femme. Non, la femme peut te donner les idées pour avoir l'argent ou bien. Surtout ici, là, quand tu dis tu vas te marier à monsieur Tant, on dit mais tu as quoi pour marier monsieur Tant? Parce qu'on est une communauté de biens. Non, il y a fourneau, marmite, et puis à boire des placali. On dit non, il faut quitter. Dégage. Le monsieur n'a pas faim. C'est pas bois de placalier, mamie, fourneau là. Il faut quitter dans la vie du monsieur. C'est une parasite, tu veux manger sûrement. C'est pour ça que je vous encourage. Les femmes, je vous encourage à faire un bon travail. Si vous travaillez, vous allez voir Marie. Amen. C'est la seule chose. En Afrique, on pense que c'est l'homme qui doit toujours travailler, la femme ne doit pas travailler. On attend un homme qui est meilleur qui travaille. Il va nous nourrir, il va nourrir nos parents. Chez nous ici, là, c'est exclu. Hein. Quand tu maries quelqu'un, il ne veut pas pour nourrir tes parents. C'est pour toi, vous deux. Il peut le faire, c'est un service qui rend la famille. Mais il n'est pas obligé de nourrir tes parents. Les blancs font ça, ils avancent. Combien? Celui qui veut se marier, les gens ont peur de m'affronter. Si tu veux te fiancer chez moi, je te poser la question, tu as quoi pour te marier, monsieur? Ah non, je bois des placali, plus fourneau et marmite. Je fais djumblé à la sauce grecque. Je dis, c'est pas dans cette église-là. C'est pas moi qui ai célébré djumblé et sauce grecque. Il faut dégager. Parce que c'est deux mecs chez là-bas. Amen. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui ne sont pas utiles à votre vie qui dégagent, ce n'est pas un péché. C'est parce que les gens ne vous disent pas la vérité. Moi, je ne prie pas pour mon ennemi. Vous allez y aller où je suis. Moi, je prie pour toi d'avoir fausse force. Pour venir m'attaquer. Oh. Je ne prie pas pour mon ennemi. Amen. Je le mélange. David dit, attaque ceux qui m'attaquent. Il y a des choses qu'on doit vous expliquer. Vous savez, la tradition qu'on fait dans la Bible, c'est une tradition. De l'hébreu à français. C'est beaucoup de Dieu. Il y a enseigné quelque chose aux gens ici. Il dit, la Bible dit pas. On dit, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. C'est une erreur. Dans les versions hébraïques, on dit la foi vient de ce qu'on a compris. La Bible, la voix vient de ce pas de ce qu'on a attendu. Tu peux entendre, ne pas comprendre. Il y a des gens qui attendent le son, ils ne comprennent pas le son. Oh, c'est une erreur. La foi vient de ce qu'on a compris. Quand tu comprends, la foi s'installe. Pas de ce qu'on a entendu. Tu peux attendre sans comprendre. Il y a des gens qui sont à l'école, le maître parle, il ne comprend rien. Ils entendent l'explication du maître, ils ne comprennent rien. La foi vient de ce qu'on a compris. Je vais vous enseigner l'hébreu. Je suis en train d'apprendre. Amen. Donc, cette histoire de dire non, priez pour les ennemis, là, c'est une erreur. On n'est pas dit prier pour l'ennemi. Pour ne plus qu'il y ait la force pour t'attaquer. La vraie version. Là. Hein? Adresse une prière à Dieu pour ne plus que ton ennemi ait la force pour t'atteindre. C'est la vraie version que je veux vous expliquer.
Vous êtes là, vous priez pour vos ennemis. Seigneur, donne un peu à mon ennemi. Je ne donne pas. Mon ennemi n'a pas. Il ne peut pas avoir l'argent. Amen. Mon ennemi va avoir l'argent, puis il va avoir force pour m'attaquer. Levez-vous, nous allons prier. Moi, souvent, je suis obligé de parler les mots hébreux. C'est vrai, il y a des choses, souvent dans des combats, frère, je suis arrivé dans un niveau de spiritualité où aujourd'hui, là, je sais que l'argent n'a jamais me manqué. Parce que je connais comment attirer l'argent. Ce n'est pas un péché. Le Juif dit, si tu es pauvre, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Amen. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Le Juif dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Donc la première chose que les gens vont remarquer, si Dieu est avec toi, tu ne dois pas manquer à manger. Amen. Toi, tu dis, tu viens à l'église et tu manques à manger. C'est qu'il y a un problème. Dieu n'a jamais été avec toi. Amen. Amen. Depuis qu'il a compris ça, moi-même, j'ai fait à son prophétie sur moi pour que je ne manque plus de rien. Amen. L'Éternel, on dit Baruch Hashem est mon berger, je ne manque de rien. C'est en vraie version hébraïque, on dit je ne manque pas de futur. On dit le présent, je ne manque de rien. Ce verset-là, si vous réveillez à 3h30 du matin ou 4h, vous le répétez 21 fois, l'argent va venir au cours de la journée. Amen. L'argent est obligé de venir. Moi, je suis obligé de vous enseigner les prophétiques. Il y a ce qu'on appelle les mystères. Vous parlez, vous priez, Seigneur, donne-moi l'argent. Quand il dit Baruch Hashem, parce qu'il y a Baruch Hashem, c'est différent de Éternel. Ce n'est pas le vrai nom de Dieu, c'est Baruch Hashem. Demandez aux Hébreux. Amen. Il y a des choses que je vous enseigne. Moi, quand je me lève, je suis obligé de dire. Et puis, quand tu te lèves matin, mets ta main. Parce que le jour où tu seras pauvre, tu vas commencer à être te rébeller contre Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, il devient bizarre. C'est faux? Celui qui n'a pas l'argent devient sorcier. L'argent n'a que de manquer 5 minutes. Tu n'es plus d'humeur, tu n'as même besoin d'écouter quelqu'un. Tu deviens gris comme un sorcier. C'est la vérité? Tu n'es plus sincère. Quand tu promets 10 000 ou 100 000, tu es obligé de. Tu n'es pas sincère à cause de 10 000, 100 000. Il faut que Dieu vous donne l'argent. Amen. Amen. Le jour, le premier dimanche, d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire un culte avec vous, je vous expliquais les actions prophétiques à faire pour avoir l'argent. Si vous êtes contre ça, ça n'engage que vous. Moi, je vous explique. Moi, je suis prophète, je ne suis pas pasteur. C'est pasteur qui vous dit qu'il ne faut pas embrasser la femme de quelqu'un. Moi, je sais que si on embrasse la femme de quelqu'un, ce n'est pas bon. Toi-même, tu sais. Combien? Chacun d'entre nous sait que brasser comme quelqu'un, ce n'est pas bon. Mon pasteur, lui, il est là, il enseigne chaque jour. Pour vous interpeller. Moi, je t'enseigne comment avoir l'argent. Quand le soleil sort, c'est pourquoi? La terre est faite pourquoi? C'est les mystères. Je suis là pour les mystères. Amen. Je ne suis pas là pour parler beaucoup. Nous, là, on agit. Ceux qui sont dans les mystères, là, sont les hommes d'action. Ce sont les actions prophétiques. Pour toi, tu fais commerce, tu manques de commerce. Amen. Moi, je fais commerce, j'ai avoir l'argent. J'ai toujours voyagé, je connais le secret. Pendant que je parle, moi, il y a le secret d'ouvrir les portes. Les actions prophétiques sont les clés. C'est ça que je vous ouvre les portes de voyage. Ceux qui veulent voyager, là, vous allez voyager cette année. Ceux qui veulent voyager, vous voyagerez cette année au nom de Jésus-Christ. Je vous communique que nous sommes de prospérité. Amen. Amen. Vous voyez, quand tu es dans les actions prophétiques, on te prend pour un gars bizarre. Mais c'est bon. Jésus m'a pris pour un gars bizarre. Parce que quand tu ne comprends pas, c'est bon. Dieu ne comprend pas. Dieu, il est mystérieux. Dieu détient le mystère. Dieu, c'est un mystère. Il est très mystérieux. Or, quand tu es dans les actions prophétiques, on te truc. Amen. Vous voyez l'or, non? Vous connaissez l'or? Amen. Si vous voulez avoir la grande richesse, cherchez à avoir de l'or. Quand vous voyez l'or, un peu en poudre, cherchez à me voir. Je vous donne le secret. J'ai eu le secret des Juifs. Les plus grands commerces, ceux qui vendent de l'or au monde, dans le monde, c'est les Juifs. Ils m'ont donné le secret. Et j'ai ça, ce secret, ça fait 2 ans. Quand j'ai essayé ça, l'argent, quand je manque, ça vient. Le pouvoir de la terre, c'est l'argent. Faut pas se blaguer. Nous, on parle en langue. Ça, c'est le ciel. Mais la terre, là, c'est ça, mon cher. Tu ne vas pas aller à la station Échelle pour dire, je suis le prophète qui chasse les sorciers de Divo, donnez-moi. Et super, ils vont dire dégage. Allez, dégage. Le cabinet ne reconnaît pas le prophète. Tu vas aller devant le guichet automatique de l'argent pour dire je suis le prophète, voici ma carte pastorale. Le guichet ne reconnaît pas ça. Le guichet reconnaît l'argent, le numéro de ton compte et ta carte magnétique. Donc il y a les choses, c'est pas prière. Vous pleurez. Faut pleurer ta maman. Va aller pleurer devant le guichet, il ne va jamais pleurer. Il ne reconnaît pas les larmes.
Je suis désolé. Amen. Pour que Dieu vous donne l'argent. Amen. Depuis que j'ai connu ça, ce n'est pas un péché de chercher l'argent. Les gens pensent qu'on cherche. On cherche l'argent parce qu'on aime. Qui n'aime pas l'argent? Celui qui n'aime pas l'argent, il est possédé. C'est parce que tu aimes que tu cherches pour ton propre bien. Parce que ça comble un vide. L'argent te permet d'abord de t'asseoir. Ça comble, ça permet de résoudre tes problèmes et d'aider d'autres personnes. Quand tu n'as pas d'argent, tu es humilié. Quelqu'un qui est pauvre sur la terre, il est toujours humilié. Or, Dieu nous appelle à l'élévation. Il ne faut pas vraiment se blaguer. Si vous voyez de l'or en poudre, vous avez ça, vous prenez ça dans la main. J'ai oublié de livrer le secret. Vous prenez l'or en poudre, vous avez ça. Pendant une semaine, à partir de 1h du matin, vous avez ça en main, vous parlez sur ça pour dire que l'argent ne doit jamais manquer. Parce que l'argent, là, c'est l'équivalence en or. C'est tout. Et ça se trouve dans la terre. L'homme est constitué de terre. C'est dans la terre qu'on prie l'homme. C'est dans la terre qui sort l'or. L'or, c'est l'argent. Il y a des choses peut-être que d'autres vont me comprendre parce qu'ils ne sont pas spirituels. Dieu a pris quoi pour abriguer l'homme? Or, dans la terre, il y a le fer. On dit non, on dit à l'homme, il n'y a pas fer dans ton corps. Vous n'avez pas remarqué ça, l'hôpital? Vous comprenez? Il y a quoi encore dans le corps de l'homme qu'il y a dans la terre? Il n'y a pas de médecin ici? Oui. Bon, il y a des choses, qu'on ne dit pas devant tout le monde, qu'on peut vous. Nous, on est là pour ça. C'est pour ça que le ministère des prophètes est différent des pasteurs. Quand les pasteurs nous rencontrent, ils ne comprennent pas, peut-être qu'ils nous critiquent, mais moi, il sait Dieu. Moi, je suis convaincu qu'il sait Dieu. Amen. C'est pour ça que les prophètes, là, ils sont, c'est les gens les plus habilités pour vous oindre dans la royauté. C'est un seul qui a eu le mandat. Un pasteur ne peut jamais te consacrer à la richesse. C'est une autre onction. On peut te consacrer à des riches. Amen. Moi, j'ai mis une Bible dans l'eau pendant une semaine. Toute la Bible dans la Bible, j'ai fait une action prophétique. Je sais à qui il a fait ça. Il est né riche quand il continue à être riche. Mais depuis, il ne réalise pas. Bon, que Dieu le bénisse quand même. Amen. Il faut que l'année là nous donne notre bénédiction. Tu ne peux pas te permettre de voir 2017 comme ça. Amen. On travaille pour gagner l'argent. Tu vas avoir tous les diplômes, tu ne travailles pas. Qui va te respecter dans ta famille? Qui va te respecter? Ils vont te regarder en safarien. Ils vont dire, mais lui là, mais il dit quoi? Il parle. Il chocopie, il est en France. Mais il fait quoi? Il a construit quoi? Il a fait quoi? L'homme veut voir pour croire. Amen. Levez-vous, je vais vous faire asseoir dans la royauté. Amen. Tenez-vous debout, je vais programmer la mort. Comme nous l'avons entendu, les gens disent, j'ai programmé la mort contre lui, contre celui. De... Voilà. Nous allons prier. Levez la main, parlez. Dites janvier, toi qui es en train de commencer le premier mois, je ne veux plus. Je ne veux pas que ce mois m'apporte la mort. Et tout ce programmation de mort, de malédiction soit annulé. Prions ensemble le Seigneur. Tout le monde prie. Priez, priez. Ouvre la bouche. Parlez, déprogrammer, c'est qu'un déprogrammer, c'est pas une question de malédiction. Je déprogramme. En priant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de la au mois de janvier 2017. Tout ce qui a été programmé contre moi pendant ce mois 2017, le mois de janvier précisément. Le mois de janvier, la mort est programmée contre moi. Elle est programmée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déprogramme cette mort, je déprogramme la science, je déprogramme toutes ces œuvres, démoniaques qui s'apparaissent dans le nom de Jésus. J'écrase mes ennemis, qu'ils mangent la poussière, que ce mois m'apporte le bonheur, le succès et l'élévation, qu'elle m'apporte les rencontres prophétiques, qu'elle m'apporte des grâces, qu'elle m'apporte la bénédiction. Amen. Il faut faire la même chose pour le mois de février. Nous prions, nous continuons de prier. Que le mois de février nous apporte le bonheur. Février, tu nous apportes le bonheur. Février, tu nous apportes la grâce. Février, tu nous apportes l'élévation. Février, apporte-nous la grâce, le bonheur, la gloire, la manifestation de la puissance de Dieu. Durant ce mois, 2017, m'apporte le bonheur. Le mois de mars 2017, nous comptons de prier pour le mois de mars 2017. Adresse une parole au mois de mars. Nous prions que le mois de mars nous apporte le bonheur. Que le mois de mars nous apporte le bonheur, la programmation de mort, d'humiliation, programmée par l'ennemi durant le mois de mars, soit annulée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'annule l'humiliation, je t'annule dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, la mort est programmée. Nous prions pour le mois d'avril, prions pour le mois d'avril,
Je prie pour le mois d'avril, mort, et nous proclamons la mort, l'humiliation au nom de Jésus. Nous proclamons la mort au nom de Jésus, Christ de Nazareth, au nom de Jésus, de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La déprogrammation de mort et l'humiliation au cours du mois de mars, au nom de Jésus. D'avril plutôt, le mois d'avril, je proclame la Seigneurie de Jésus. Le mois de mai, nous prions pour le mois de mai. Tout le monde parle au nom de Jésus le mois de mai. S'il y avait éventuellement un programme, programmation de mort, ouais, contre ma vie et sur quoi cette programmation est annulée. Mort, d'accident, et de programmer au nom de Jésus. Je proclame la puissance de Jésus-Christ et la Seigneurie de Jésus. Nous prions pour le mois de juin. Adresse-toi au mois de juin. Je te programme tout ce qui était programmé. La mort contre moi. Toute programmation d'accident et d'humiliation. Au nom de Jésus. Nous allons prier, adresser une parole au mois de juillet. Prions pour le mois de juillet 2017. Nous parlons au mois de juillet 2017. Toute programmation de mort, d'humiliation est de programmer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons la puissance de Dieu, la gloire de Dieu durant tout ce mois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons gloire au Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci, nous te rendons la gloire. Nous prions pour tout ce qui est déprogrammé et déprogrammé dans le nom de Jésus. Nous prions pour le mois, après où le mois de septembre, c'est ça, septembre. Nous prions pour le mois de septembre 2017. Le mois de septembre, nous déprogrammons la mort dans le nom de Jésus-Christ. L'humiliation et la honte au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour le mois d'octobre 2017. Nous prions de déprogrammer dans le nom de Jésus. Nous prions pour le mois de novembre 2017. Nous prions, nous déprogrammons toute forme de mort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort, l'humiliation au nom de Jésus. Nous prions encore pour le mois de décembre 2017 plutôt. Nous imposons les mains à nos têtes pour dire d'humiliation. Tout ce qui a été programmé contre nous soit déprogrammé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons tous ces plans. Prions ensemble. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Nous prions que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Yora, sababababababa. Wonder shine on the place. Amen. Un projet de mariage, de succès, un projet, des projets doivent s'accomplir. Adresse-toi là, au mois. Parle au mois, de l'année, et que l'année, et que les mois, et que les projets s'accomplissent. Les voyages, au nom de Jésus. Nous prions que ta gloire se manifeste. Nous prions que ta gloire se manifeste durant toute cette année. Au nom de Jésus. Projet de santé, de gloire, de victoire sur l'adversité. Nous proclamons ta Seigneurie. Nous proclamons ta puissance. Nous proclamons ta Seigneurie. Nous proclamons ta victoire. Au nom de Jésus. Merci. Nous déclarons cette année comme une année de victoire, une année d'accomplissement. Oh, de toutes, Seigneur, ces promesses faites sur nos vies. Une année d'accomplissement de toutes ces promesses faites sur nos vies. Nous déclarons ta victoire. Amen. Nous déclarons la victoire de Jésus. L'année est l'année de l'accomplissement. Tu as beaucoup prié, mais cette année est déclarée comme une année d'accomplissement. Toutes choses s'accompliront dans ta vie. Dis Amen. Dis à toi quelqu'un juste à côté. Dis à quelqu'un juste à côté. Bonne heureuse année. Dis à quoi quelqu'un, bonne heureuse année. Dis à quelqu'un, bonne heureuse année. Dis à quelqu'un, bonne heureuse année. Dis à quelqu'un, bonne heureuse année. Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Parce que quand je laisse le micro, je prends plus le micro. En 2016 et bon arrivé en 2017. Je crois de tout mon cœur que cette année vous apportera beaucoup de bénédictions. Éventuellement, il est vraiment important de la passer dans la présence de Dieu. Franchement, la présence, parce qu'il faut démarrer avec Dieu. Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Vous tous qui êtes présents ce soir, je prophétise sur vos familles aussi qui ne sont pas là, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sur la vie. Amen. Alléluia. Maintenant, cette action-là, elle est utile encore à 5h du matin tout à l'heure. À 5h du matin, vous reprenez les mêmes choses, la prière pour la nouvelle année. Vous parlez encore aux 12 mois de l'année. Vous les faites ça pour 12 jours. Cette action, elle est propice chaque 5h du matin maintenant, pour 12 jours.
Vous levez matin, vous parlez à la terre, vous versez de l'huile d'onction, ça pour 12 jours. Vous avez bouclé l'année avec ça. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse. J'en profite pour dire merci à l'Assemblée que le Seigneur m'a permis de diriger, que le ministère de la compassion des hommes. Le Seigneur m'a permis de diriger que le ministère de la compassion des âmes, depuis que nous sommes là, nous enseignons comment être protégé contre la sorcellerie et en même temps, nous libérons les sorciers. Il y a certaines personnes qui sont sorcières qui ont été délivrées. Nous aurons l'occasion de rendre leur témoignage. Nous bénissons le Seigneur. J'en profite d'une merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien moral, spirituel et financier. Je remercie ceux qui nous ont soutenus, n'est-ce pas, à réaliser, n'est-ce pas, la construction de notre orphelinat. Monsieur Ismaël, qu'il m'a vu rentrer, c'est un musulman, il m'a vu rentrer dans sa librairie, il m'a donné officiellement 5000 francs. J'étais vraiment touché. Vous voyez ce monsieur juste à côté, il a son témoignage. Jean Massette, tu me tiens debout. C'est un bien-aimé qui est venu ici, qui priait le Seigneur pour sa délivrance. J'étais aux États-Unis, qu'elle nous a donné 500 000 francs pour mettre la moquette dans notre église. C'est monsieur. Voilà, merci que Dieu te bénisse. Voilà, donc allez, c'est dans le Seigneur. C'est bazin, il pense à chaque jour. Hein. Moi, il finit un bazin. Amen, que Dieu bénisse. Amen. Donc, bonne heureuse année à tous mes enfants américains et tout ça. Donc, je donne le programme l'année. Nous aurons, par la grâce de Dieu, cette année, nous allons atteindre beaucoup de villages, nous allons vraiment évangéliser. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé à s'équiper. Nous avons tout l'équipement d'ailleurs. Nous avons la plupart de nos instruments. Je vous dis franchement, nous avons tout l'équipement en place pour faire les plein air, pour faire les grandes croisades. Donc nous irons cette année dans les villages. Que Dieu vous bénisse. Nous allons démarrer dans les villages juste après le vent. Juste après le vent, nous allons démarrer les villages. Je serai dans le mois de mars en Europe. Nous allons démarrer une tournée européenne. Après cette tournée européenne, je vais atteindre d'abord l'Espagne. Je serai en Espagne par la grâce de Dieu à Madrid. Et après l'Espagne, nous allons toucher, n'est-ce pas, la Grèce. Après la Grèce, je serai en France. D'abord à Toulouse. Après Toulouse, nous serons, n'est-ce pas, à Lyon, Paris. Voilà, donc, et puis bon, je prendrai mon vol pour les États-Unis. Les États-Unis, je pars en avril aux États-Unis pour encore 2 mois. Et par la grâce de Dieu, cette année encore, je serai encore au Canada. Nous sommes en train de parler avec un fils spirituel venant du Canada qui est là. Je serai encore au Canada, justement pour permettre aux gens de venir. Depuis que nous partons, nous sommes en train de faire des voyages. Les gens viennent en Côte d'Ivoire pour investir. Voilà, donc merci pour l'orphelinat aussi. Bientôt, vous allez voir l'ouverture de l'orphelinat, c'est d'ici le 20. Vous aurez l'ouverture de notre orphelinat. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. J'ai été vraiment cette année, une année où j'ai rencontré des gens merveilleux. Hein. Mais en même temps, une année où j'ai été vraiment touché par beaucoup de méchanceté. Mais c'est ça la vie, hein. La vie, là, ça continue comme ça. Mais c'est une année où j'ai terminé en beauté, où j'ai quand même souri. En fin d'année, j'ai dit, ouf, au moins Dieu me fait sourire. Dieu, merci. Au moins, je suis en train de sourire. Ça n'a pas été facile pour moi. Hein. Parce que j'ai rencontré des personnes très méchantes qui ont voulu forcément me nuire. Mais comme Dieu, quand vous êtes de Dieu, il finit par vous donner raison. Voilà, ces personnes, je ne les vois plus parler. Donc, c'est déjà une victoire. Parce qu'ils parlaient, nous, on ne parlait pas. Ils ne parlent plus parce que nous, on a des témoignages, on agit. Quand ils voient des œuvres, on ne parle pas, on agit. Le prophète Kachou a pu voyager, je voyage. J'ai voyagé, mais j'ai fait mes grands, j'ai fait des puissants voyages. Je vois, ils sont étonnés. Je vous dis aujourd'hui, je vois dans mon visa, mais il y a un an des États-Unis, c'est dans mon visa. C'est-à-dire, si je veux aujourd'hui là, aller aux États-Unis, je m'en vais. Demain, quand je finis, mais je peux y aller, je prends mon billet, je m'en vais aux États-Unis. Amen. C'est pour dire Dieu, il est merveilleux. Merci pour ceux qui t'apportent déjà les soutiens. Il y a aussi la forte communauté française, n'est-ce pas, camerounaise. Atlanta, cette forte communauté, n'est-ce pas, sénégalaise, ce n'est pas que les Ivoiriens, sénégalaise et malienne, à New York, tous ces pasteurs aussi qui nous soutiennent dans le monde entier, et que Dieu vous bénisse. Amen. Cette année, j'ai décidé, c'est la première édition d'ailleurs, nous avons fait le Lugu Gospel, nous voulons faire de Divo une place culturelle. Divo, vous le savez bien, c'est ici qu'est né Oya. C'est ici qu'est né Oya. Tous les grands acteurs, les Oumanans, c'est ici. Mais nous voulons ramener ça. Nous voulons ramener cette gaieté-là à Divo. Nous avons commencé la première édition. Nous allons voir notre frère, notre tonton, le papa Ismaël. La prochaine fois, il va nous parrainer pour la deuxième édition. Amen. Que Dieu te bénisse. Il va nous parrainer parce qu'on ne veut plus maintenant faire ça la deuxième édition. C'est l'année prochaine, en décembre.
Nous ferons ça de l'autre côté au stade municipal de Divo. Amen. Pour amener tous les artistes ici à Divo. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. La première édition de l'excellence prophète Joël Crasso. Amen. C'est vrai, il y a des gens qui ont fait quand même un travail de fond autour de moi, ou du ministère, dans le secret, qui tentent de travailler. C'est la première édition. La deuxième édition, il y aura trois prix. Le premier prix, vous savez très bien, j'ai déjà dit ça à mes collaborateurs, le premier prix l'année prochaine, c'est la deuxième édition. Le premier prix, la personne aura 500 000 francs et puis une voiture 406. Ça, c'est la deuxième édition. Une voiture 406, je vais vous expliquer un peu ce qui rentre en critère. C'est au niveau des secrétariats, les meilleurs secrétaires qui donnent l'information, qui sont bien, les meilleurs communicateurs, les meilleurs au niveau de l'église, au niveau des trucs, les meilleurs dans différents domaines, auront des prix. Le premier prix, il y aura le deuxième prix, le troisième prix. Amen. Et le quatrième prix. Nous commençons aujourd'hui. Bon, j'ai décidé de récompenser certaines personnes. Amen. Et on aura des jurys. Amen. Voilà, donc, le premier prix revient à Amen Conan. C'est le monsieur qui a la caméra, là. Il ne sait même pas, hein. Il ne sait même pas qu'on lui a dédié un prix. Voilà, donc Amen Conan, viens prendre ton enveloppe. Ou bien si ta femme est là, parce que tu as ta femme ici, amène-nous ta femme. Amène-nous ta femme. La femme est là, elle ne peut pas venir. On peut acclamer la jolie femme d'Armel Kona. Mais quelqu'un prend la caméra parce qu'on a besoin de le connaître aussi. C'est des gens, vous ne connaissez pas, qui sont juste derrière la caméra. Saisissez la caméra. Bruno, saisis la caméra. Venez avec l'enfant, ça fait rien. On veut vous, c'est la famille. Messieurs, on peut acclamer Armel Kona, il est très galant. Vous voyez, lui-même allait prendre le bébé. Vous suivez l'exemple, hein? Montez, messieurs et madame. Quand vous allez venir, si c'est un petit bisou pour venir jusqu'à mon niveau. C'est le madame Armel. Un petit bisou pour arriver à mon niveau, s'il te plaît. Oh, petit bisou. Demandez-moi le petit bisou. Ce que tu fais dans le secret, ça n'est pas mon sujet. Voilà, c'est le prix d'excellence. Ce monsieur, il a fait un travail dans le fond. Quand vous voyez tout ce qui est sur le YouTube, celui qui le fait, celui qui gère mon Facebook, celui qui gère le YouTube, voilà, c'est pour les encourager à faire le travail. C'est rien, mais vraiment c'est quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Il est toujours absent, il est toujours en train de travailler. Amen. Le 13e, le second prix revient à Karamogo, c'est mon chauffeur. Il est musulman. Mais le monsieur, à n'importe quelle heure, il laisse sa famille. Il ne sait même pas qu'il a un prix. Hein. Il ne sait pas. C'est mon chauffeur. Ouais, Kramogo. Ah, vraiment, mon chauffeur, il est grave. Hein? Les gars, votre cérémonie là fait que on a vu l'élégance de mon chauffeur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Monsieur, madame, elle est où? Elle est dedans. Ouais, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne beaucoup de vie, longévité à toi, que Dieu bénisse ta femme. Le second prix revient au monsieur, le troisième prix à Cambéré. Ouais, ce monsieur, celui qui reçoit. On acclame. Fort. Vous allez voir les surprises l'année prochaine. Que Dieu te bénisse. Du courage à toi. Le dernier prix revient. Il y a le gâteau. Hein? Le second prix, le tout dernier prix, revient au comptable. La mission au comptable. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas qu'il a un prix. Ce monsieur, je le stresse toujours. Vous savez qu'il y a l'argent, on est toujours prêt à parler. Mais il est bien dans ses comptes. Il respecte les points. Parce que je joue pas à lui, hein. Je joue pas à lui, hein.
Les chiffres, on compte ça ensemble. Hein. Quand je me lève le matin, ouais, c'est prix d'excellence. J'aimerais que tu fasses partie. L'année prochaine, il y aura encore les 4 prix. Et le premier prix, je le dis devant tout le monde, il y aura une voiture, il y aura 500 000 francs. Il faut que vous servez, nous servons les gens. Ici, ça doit être l'excellence. Il faut à mesure de servir les gens. Et ça, moi, je le dis. Voilà, donc, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne heureuse année, pour tous ceux qui me portent dans le cœur, que Dieu vous bénisse. Cette année, il y aura encore beaucoup de choses. Nous allons nous améliorer, nous allons même nous améliorer pour vous aider. Ici, nous démystifions la sorcellerie. Nous avons l'onction pour détruire la sorcellerie. Et cette année, nous allons visiter les villages. Si vous reconnaissez qu'il y a un village, où il y a un sorcier qui est redoutable, invitez-moi là-bas. C'est un défi. Vous allez voir entre Satan et Dieu qui est fort. À partir du 20, nous tournerons les villages. Nous allons attaquer les villages. Vous permettez d'aller dans vos villages. Vous êtes obligés d'aller dans les villages. Les blancs, ils sont contents d'aller dans les villages. Ils développent leur village. Nous, on a peur. Nous avons peur d'aller dans nos villages. À cause de la société. Il faut que nous vangélisons nos villages, que nous prions, que nous avons le courage de venir dans les villages. Bonne heureuse année. Je vous aime. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Amen. Amen. Mes ennemis, vous allez vous aurez une migraine. Il faut que Dieu vous donne une migraine. Amen. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Je vais devoir laisser le micro. Bonne heureuse. Merci pour ce message. Et je crois bien sûr que vous êtes témoin de l'histoire. Je demande encore une fois qu'on acclame le Seigneur. Et bien sûr, des fausses de famille pour immortaliser cet événement. Alors, Tibamando, merci. Une autre étape très importante. Et nous saluons toutes ces personnes qui nous suivent à travers le monde, à travers tous les continents. Merci de nous suivre et de prendre part à cet anniversaire. Merci. Tib. Son âge plus 1. Oui. En tout cas, on va souffler une autre bougie. Déjà, le décor se plante. Oui. Et je crois que le groupe musical en fond sonore nous accompagne. Nous accompagne. Le temps que... Voilà. Monsieur le pâtissier plante le décor. 2017. Nous sommes aux premières heures. Merci infiniment à tous et à toutes. Et la gloire soit rendue à l'Éternel Tout-Puissant. Sentant que le gâteau s'installe, on va faire quelque chose. Ce qu'on a fait tout à l'heure, j'ai demandé la version française, j'ai demandé également la version anglaise, et puis on a essayé un peu la version chinoise ou japonaise. Oui. On a resté quoi? Chinois mais japonais. Ah d'accord, ok. Ah maman c'était chinois. Ok. Ensemble. Nous allons chanter ensemble. Ah oui, c'est joyeux anniversaire. Ensemble hein. Fêter son âge plus 1, c'est pas donné à le tout le monde. C'est élevé. En fond sonore nous accompagne. Et puis tout le monde va se lever pour chanter le joyeux anniversaire, pour chanter le happy birthday à notre papa ici présent. Est-ce qu'on est prêt? Si on est prêt, je vais entendre des applaudissements. Plus fort, plus fort, plus fort. Ouais, je prends le tour dedans. On y va. Ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on chante? Joyeux anniversaire.
famille, nous souffrons et nous rougissons. Ouais. Au nom que le pape Saint-Hélène nous accompagne. Ah ouais. Joyeux amis, blessé. Joyeux amis, blessé. Joyeux amis. Ah oui, ah oui. J'ai bonne mémoire. J'ai bonne mémoire. Le moment de Mohamed, votre concurrent de la dernière fois. Ah, la mémé de Mohamed. Mémé, bien sûr. Comment on chante en anglais, en français ou bien chinois? En français. Joyeux amis. Joyeux amis. Joyeux amis. Formidable. On va applaudir pour la mémé de notre ami Mohamed. Ouais. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. To you, happy birthday. To you, happy birthday. To you, happy birthday. To you, happy birthday. Sur la confection et puis nous aurons la coupure juste après, nous aurons la remise des cadeaux, des cadeaux, puisque nous parlons de birthday, happy birthday Arsène Kakou. Oui. Lorsqu'on fête l'anniversaire de quelqu'un, n'est-ce pas, on doit lire la joie sur les visages, mais je ne sens pas cette joie. Le guide spirituel d'un tel personnage plus qu'un. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On peut applaudir encore plus fort. Arsène Kakou. Je vous sens pas trop. Je vous sens Arsène pas trop. Je veux que ce soit Arsène Kakou. Oui. Non. Arsène, ça va? Voilà. Alors, les anglophones disent no comment. Il n'aura pas de commentaires. Sans commentaires. Ah oui, sans commentaires. Apprécions la valeur du chef-d'œuvre que nous allons tout à l'heure déguster. Alors, sans plus tarder, le pasteur va venir, c'est cela? C'est ça. J'aimerais que chacun de nous élève la voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Prions tous ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Voici, éternel Dieu tout-puissant Père, ô roi des rois, que tu viens encore d'ajouter un an de plus, éternel mon Dieu, sur sa vie, éternel Dieu tout-puissant. Oui, ô, cette journée, Seigneur Jésus, marque sa naissance, éternel Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour lui. Merci de l'avoir gardé en vie, éternel mon Dieu Père. Merci, ô roi des rois, Seigneur Jésus Père, d'avoir vaincu la mort. Pour lui, éternel mon Dieu, car ta parole dit que, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir sur la mort de par ta résurrection. Nous bénissons ton nom pour ce moment glorieux. Nous bénissons ton nom pour ce jour glorieux. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour un an de plus que tu ajoutes encore sur ton serviteur, le prophète Joël Grasso. Gloire te soit rendue. Nous te recommandons, Seigneur, lui la coupure du gâteau, Seigneur. Sois, Seigneur, le directeur et que tout ce qui va se faire soit fait selon toi, ta volonté. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus que j'ai prié, quelqu'un dit Amen. Cette année à l'éternel pour que Dieu nous ramène encore ici l'année prochaine, le 1er janvier, pour que nous puissions célébrer encore ce jour. Élevons tous la voix et commençons à prier. Nous bénissons ton nom, éternel mon Dieu. Nous croyons, nous sommes confiants que tu vas le garder, Seigneur, et tu vas nous accorder, Seigneur Jésus, de venir encore manifester, Seigneur,
Oui, cette journée, éternel Dieu Tout-Puissant, célébrer encore cette journée l'année prochaine, Seigneur Jésus. Merci, nous te recommandons tous ces projets et son ministère. Nous prions que tu veilles sur lui et tous ses projets, Seigneur. Merci de nous rassembler encore, Seigneur, l'année prochaine. Jésus, je prie, on dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, dis-le. Qu'il allait reçu le gâteau, j'ai été vraiment émerveillé. Voilà, donc que Dieu te bénisse. Bonne année à toi. On aura besoin de nous, de toi l'année prochaine. Et Myriam, je donne ton cadeau tout à l'heure. Hein? Voilà. Assisterons tous ensemble à la grandeur de l'homme. Reconnaissance du mérite. Préciser que c'était champagne sans alcool. Voilà.
merci beaucoup. Happy birthday to you. On applaudit ça, s'il vous plaît. Oh, super public. Joyeux années. Et maintenant, goûtez au gâteau de façon symbolique. Joyeux anniversaire. J'ai bien envie de vous dire, tout le monde aura la part du gâteau. Soyez sans crainte. Voilà. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Prophet Samson. Voilà que après que ça peut aller le prophète ait goûté, hein, voilà le gâteau de façon symbolique, en compagnie bien sûr du président Seiko Paulin et de monsieur Ismaël Koulibaly, une photo de famille et puis ils vont bien sûr regagner leur place. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, merci à monsieur. Messieurs les autorités administratives et politiques des Divo, cher père spirituel, prophète Joël Casso, cher pasteur principal, cher président de l'Église, chers membres du Conseil de l'Église, honorables invités, en vos rangs et qualités, chers bien-aimés en Christ, l'honneur me choisit de prendre la parole au nom du comité d'organisation pour vous souhaiter la bienvenue à Yoka. Et grand merci à tous ceux qui ont effectué ce déplacement jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Cette manifestation, pour nous, a deux objectifs. Qui n'est pas simple, mais de rappeler que, d'abord, la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017. Le plus grand mal que je peux vous souhaiter, c'est des vœux de bonheur, de santé, de longévité et succès dans tout ce que vous entreprendrez. Secondo, c'est l'anniversaire de notre père spirituel. Papa Crasso, joyeux anniversaire. Vous êtes un homme de valeur, car malgré les pots de bananes lancés sur votre chemin, vous avancez quand même. Car la valeur d'un homme, c'est le travail, sa faculté de triompher des obstacles grâce à son audace et à son effort. C'est en cela l'écrivain allemand Goethe disait, je cite, « J'ai été un homme, c'est-à-dire un lutteur. » Fin de citation. Sans faire votre éloge, permettez-moi de m'appuyer sur deux actions que vous avez menées parmi tant d'autres. Primo, votre détermination de lutte contre la sorcellerie, ce qui vous a poussé à rentrer à l'ONU afin que l'ONU reconnaisse la sorcellerie comme crime et délinquance spirituelle. C'est un acte à saluer. Secondo, cela de la Bible. Voilà pourquoi Victor Hugo s'exprime dans Les Misérables et dit, je cite, enseignement et lumière. Fin de citation. Ici, Victor Hugo vous considère comme une lumière. Lumière pour Divo, lumière pour la Côte d'Ivoire, lumière pour l'Afrique et lumière pour le monde entier. Papa, que Dieu vous bénisse. Sachez que tout le MCI vous soutient dans toutes vos actions. Ce qui fait que nuit et jour, nous adressons de prière à Dieu afin que Dieu vous aide à atteindre vraiment votre objectif. Papa, longue vie. Papa, que la probité vous conduit sur le chemin du succès. Sur ce, je voudrais clore mes propos.
Que 2017 soit une meilleure année pour tout un chacun de nous. Bonne fête à tous et je vous remercie. L'infatigable, l'infalsifiable qui lutte pour la cause de la race humaine, le prophète Joël Crasso, que je demande encore une fois d'applaudir, s'il vous plaît. Pasteur Kekou, oui. Pendant qu'on s'apprête à déguster le gâteau, c'est maintenant qu'il faut apprêter les cadeaux. Tout à fait. Alors, je vais commencer à toucher les malades. Mais c'est ensemble qu'on prend l'engagement d'offrir à partir de janvier 2017 jusqu'en juin 2017 l'antenne gratuitement au prophète Joël Crasso à son ministère. Six mois de spot, six mois de message, toute action. Passage d'antenne, tout de prêt à action, diffuser. Tout le programme, n'est-ce pas, que le prophète lance, écoute, le ministère lance, la radio ouvre son micro. Les portes sont grandement ouvertes. Donc c'était le message de Radio Paternité Divo pour accompagner le ministère. Merci beaucoup, M. Thib Armando. Je crois bien sûr que vous avez ouvert la voie. Maintenant, voilà, comment est-ce que nous allons procéder? On va faire, je crois, par table, par rangée, pour que ce soit... Ok. Voilà. Avec la complicité, bien sûr, des pasteurs et des anciens. On va peut-être demander à ceux qui sont à notre droite de venir et offrir leur présent, voilà, au prophète Joël Crasso. On va les accueillir. Joyeux anniversaire. Voilà, alors Thib, la rangée souhaitée, je crois. Oui, ça peut venir. On peut venir. Merci la rangée du milieu de venir. Les cadeaux, on attend toujours. Je sais que... La rangée de la droite. Ah, je reconnais la fumée de mon père là. J'ai un cadeau, ça vient. Oui. Je suis pas sûr de dire, mais ça vient. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Happy birthday. C'est rien. Déguster leur cadeau, leur gâteau. Oui. Sont maintenant. Pour l'instant, on peut demander au prophète de s'asseoir. Ça ne se néglige pas. Oui. N'est-ce pas? C'est pourquoi déjà nous allons dire merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Oui. Et je sais que dans les jours à venir, les cadeaux vont pleuvoir. Aussi. Oui. Les pupilles. Le moment, elles arrivent. Ça vient.
je retiens une chose. Ils ne savent pas comment faire, est-ce qu'on va venir déposer ça, comme ça, bête, bête, comme ça, c'est pas intéressant. Non, on peut chercher une enveloppe. Enveloppe, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un tout à fait, de mettre des enveloppes à la disposition de ceux-là même qui ont besoin des enveloppes. Secrétariat. Eh bébé maman encore. Merci, merci. Les différentes connexions à travers le monde et qui prennent une part active à la célébration de cet anniversaire. C'est ça. Et qui voudraient également donner. Je salue, oui, qui vont donner. Voilà. Je salue tous ceux qui sont dans le Maryland. Voilà. Voilà. Et ceux qui sont dans le Baltimore. Voilà. On attend les cadeaux. Oui, ça vient. Et tous les états qui ont été visités par le prophète. Anciens, les enveloppes sont là. Alors, donc, tu vas... Qui a les enveloppes? Ils arrivent dans le moment. Voilà. Tu as eu les crayons. Ah, bon. Il a été un véritable visionnaire, Armando, parce que en voyant juste nous, à travers cette idée, on savait que nos mamans voulaient donner quelque chose, mais ça n'a pas pu. Donc, moins de 10 heures, effectivement. Voilà. D'accord. Donc, tout le personnel est invité. Voilà. Voilà. Bonjour, Jésus. Merci à tous ceux qui sont à travers le monde de nous suivre. Tib Armando, Arsène Kakou. D'accord, Arsène Kakou. Oui. Arsène Kakou. Oui. Tu sais, il y a quelque chose qui se prépare ici. Oui. Et voilà, je vois. Bon appétit, non? Je vois des entrées. Je vois. Je voulais simplement dire bon appétit. Oui, bon appétit. Tu vois, non? C'est pourquoi j'étais en train d'aller vers là-bas. Voilà, voilà. Depuis là, tu es là, tu ne me dis pas qu'il y a bonne chose ici. Mais tu suis beaucoup de choses à la fois. Oui, mon frère, ici, là, c'est la vérité. Tu suis tes yeux sur la vérité, là, ça y est dans le... Ancien? Yeah, my name was.